Good morning, allez, yidan les tutra aujourd'hui, les loin ishmat, nissim ben aouda, et sarah batrana rachel, ainsi que l'ir fouat, eliaou machlouf ben chana, aria kiva ben chachar, refel zvoun ben chayam alia, et avraham mouri ben reout, betor sh'ar cholé israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions maserhet avot, perek vav, mishnatet, amar rabbi yossi ben kisma, pam achat haiti mealech baderech, upaga bi adam echad, venatani shalom, vechzarti lo shalom. Étant donné que c'est une Mishnah où il ne va pas y avoir de halachot ni d'instruction, ça va être une histoire, donc c'est un peu dommage que je vais la lire et qu'on va la relire et la répéter. On la traduit directement et après on s'occupera de... Donc, Amar Rabbi Yossi Ben Kisma. Rabbi Yossi Ben Kisma, il a dit, Pa machat haiti mehalech baderech. Une fois, je partais sur le chemin. Ou pagabi adam echad. Et un homme m'a rencontré. Venatani shalom. Et il m'a salué. Il m'a dit, bonjour, shalom. Et je lui ai retourné le salut. Amarli, Rabbi, meize makom ata. Il m'a dit, Rabbi, mon maître, meize makom ata. De quelle ville, d'où, de quel endroit tu viens? Amartilo, meir gedola shel chachamim shel sofrim ani. Je lui dis, je viens d'une grande ville où il y a là-bas plein de chachamim, plein de sages et plein de sofrim. Des sofrim, c'est-à-dire des baalei mikra, des gens qui connaissent bien le chumash, les psukim. On distingue les, ceux qui connaissent des psukim de ceux qui connaissent aussi même le, la Torah chez Béalpé. Donc il y a une ville où il y a plein de Torah. Amarli, Rabbi, Retzoncha shetador imanu bimkomenu, vanietanecha elef alafim dinrei za'av vavanim tovot umargaliot. Il m'a dit, Rabbi, mon maître, peut-être veux-tu venir habiter avec nous dans notre endroit et je te donnerai des mille milliers de dinars zahav, donc des pièces d'or de l'époque, et en plus de ça, des pierres précieuses, et margaliot, toutes sortes de pierres précieuses. Amar tilo, béni, imata noteni kol kesef vezahav avenim tovot o margaliot sheba olam, einidar el abim kom Torah. Et je lui ai rétorqué, donc Rabbi Yossi ben Kisma raconte qu'il lui a rétorqué, mon fils, même si tu vas me donner tout l'argent et tout l'or du monde, je n'habiterai que dans un lieu de Torah, où il y a là-bas des chachamim en Torah. Les fiches bishad ptirato shel adam, en melavin lo la adam, lo kesef velo zaav, velo avanim tovot ou margaliot. Car, lorsqu'un homme quittera ce monde, bishad ptirato, à l'heure où l'homme quittera ce monde, rien ne l'accompagnera, ni son argent, ni son or, ni ses pierres précieuses. Et la Torah au Maasim Tovim, uniquement la Torah et les Maasim Tovim qu'il aura pu accomplir. En l'occurrence, je serai plus prédisposé à accomplir des Torah au Maasim Tovim lorsque j'habiterai dans une ville de Chachamim que de partir habiter chez toi. Shenemar, et là il va nous rapporter trois psukim. Shenemar, Beit Alechecha, Tanchotecha, Beshorbecha, Tishmo Alecha, Vakizotei, Tessichecha. Et donc, comme le pasuk nous dit, un pasuk de Michelet, Beit Alechecha, Tanchotecha, lorsque tu partiras, elle te guidera. On parle de la Torah. Lorsque tu te coucheras, elle te gardera. Elle veillera sur toi. Vakitsota itesichecha. Et lorsque tu te réveilleras, alors itesichecha, elle parlera avec toi. La chose de la souar, parler. D'accord? Elle te fera parler. Et donc, maintenant, il nous explique. Veitalechecha tanchéotra baolamazé. Lorsque tu marcheras, elle te guidera. C'est lorsque tu es dans ce baolamazé, dans ce monde présent. Meshorbecha tishmor alecha bakever. Lorsque tu te coucheras, elle te gardera. C'est lorsqu'il sera bakever, dans son cercueil, dans son enterré. Vakitsota itesichecha. Et lorsque tu te réveilleras, elle te fera parler. Alors c'est La olam haba, au monde futur. Vechen katuv besefer teilim. Et ainsi dit le pasouk dans le livre de Teilim, à l'aide de David Melech Israël, qui a été écrit par David Melech Israël. On expliquera bien sûr pourquoi il a insisté sur tout ça, mais en tout cas, Tov li Torah tpicha me alfe zahav vachasef. Elle est meilleure pour moi, la Torah de ta bouche, plus que des milliers de pièces d'or et d'argent. Vomer, et un autre pasouk nous dit encore, un pasouk dans Chagai. Lia kesef velia zahav neum hashem tzvakot. À moi et l'argent, à moi et l'or, telle est la parole d'Hashem tzvakot.
Donc en fait, on a une histoire avec Rabbi Yossi ben Kisma. On va reprendre l'histoire et insister maintenant sur plusieurs détails. D'abord, le but de cette Mishnah, donc une histoire, grossièrement, vous avez compris. Rabbi Yossi ben Kisma s'est fait accoster par quelqu'un qui lui dit « Viens habiter chez nous ». Probablement, on avait besoin d'un rave, quelqu'un qui va venir pouvoir nous donner d'alachot et nous... Et je te promets que tu auras une belle parnassa. Et Rabbi Yossi ben Kisma a répondu « Non, en aucun cas, je ne viendrai pas habiter chez vous, parce que c'est plus important pour moi d'habiter dans un lieu de Torah, ça vaut plus que tout l'argent du monde. » Voilà, grossièrement, l'histoire. Maintenant, on a plusieurs choses à éclaircir. Quel est le sens, précisément? Ben, c'est contredit par la Mishnah, je ne vais pas m'engager, je ne sais pas... Ouais, je ne fais pas du tout ni de politique, ni de... Je dis juste qu'est-ce qu'elle raconte, cette Mishnah. Donc, d'abord, quel est le but de cette Mishnah? Il y a quelque chose de très intéressant dans le Tiferet Israël, il nous dit, dans la Mishnah précédente, on apprenait l'importance d'avoir que l'argent, c'est quelque chose de très important pour accomplir la Torah et les mitzvot. On aurait pu croire, ah, si l'argent, c'est important. Dans ce cas-là, si je reste chez moi et que j'étudie, que je n'ai pas beaucoup de moyens, et qu'on me propose un beau poste de partir dans une ville où il n'y a pas tellement de Torah, peut-être que je devrais quand même choisir et y aller. Et alors la Mishnah, elle vient me dit, non, la Parnassa, l'argent, c'est vrai, c'est très utile lorsqu'on a un tzadik, comme ce qu'on apprenait, mais quand même, toi, tu te soucies de rester chez toi, et quand la Mishnah va nous dire que tu perds rien au final, ça c'est quand on va revenir pour expliquer la fin des psukim, qu'est-ce qu'ils sont venus précisément nous apprendre. D'accord? Maintenant, la Mishnah insiste. On va reprendre maintenant l'histoire en ajoutant tous les petits diyukim. Il y a des petites insistances originales, en particulier dans la Mishnah, qui viennent dévoiler plusieurs, le timbre et le contexte dans lequel ça s'est réalisé. Tout d'abord, une fois je suis parti me promener, une seule fois Rabbi Yossi ben Kisma il est parti se promener. Comme ça le Midrash Shmuel explique, une seule fois il est sorti du Beit HaMidrash, il était toujours au Beit HaMidrash, une fois il a eu besoin de partir, probablement pour un problème de Parnassa, puisqu'il a eu besoin de partir chercher, il avait une nécessité de partir, ou même pour une mitzvah, peu importe. Une fois, il a quitté le Beit HaMidrash, et ça a suffi pour que maintenant le Satan vienne et lui envoie quelqu'un qui lui promet mon et merveille, Aïkar, pour l'essentiel, sort, ne reste plus dans un lieu de Torah. Et il lui a dit, viens habiter chez nous, il y aura chez nous, tu pourras aussi, regardez l'insistance aussi, il lui a dit, viens habiter, Imanu Bimkomenu, avec nous, dans notre lieu. Ça veut dire qu'en fait, le Midrash Shmuel, il explique qu'il avait, qu'il lui proposait pas uniquement une belle parnassa. Il lui proposait surtout, Imanou, on a besoin d'un rave, on a besoin de quelqu'un qui va nous diriger, qui va nous trancher nous à la chôte et tout ça. Et malgré tout, Rabbi Yossi ben Kisma, il a refusé. Le Tiferet Israël, maintenant, remarque quelque chose de très particulier. Dans la réponse que lorsque Rabbi Yossi ben Kisma, lorsqu'il a refusé, il lui a dit deux choses, si vous faites attention. Il a dit « En anidar el abim comme Torah, même si tu me proposes tout l'argent du monde, je ne veux habiter que dans un lieu de Torah. » Et il continue en lui disant « Parce que seule la Torah et les ma'asim tovim, et les bonnes actions qu'on aura faites sur terre, nous accompagneront pour le monde futur. » Le Tiferet Israël explique qu'il y a en cela deux réponses. Il a décelé dans le timbre de celui qui l'a posé la question, et il a dit « Viens, tu auras aussi plein de parnassa. » Tu auras aussi Beshefa, tu auras plein de parnassa. Il a décelé qu'il ne considère pas assez la Torah. Et il croit que, à part ça, pour la Torah, c'est très très bien. Comme il y avait, je sais pas, c'est quelqu'un qui disait, la Yeshiva, c'est très bien, mais l'essentiel, à condition d'en sortir. Alors, c'est à peu près ça, quoi. Il est en train de nous dire, là, ici, il est en train de nous dire, tu auras un bon poste de rabbin, mais viens, tu vas gagner comme ça, avec nous, plein de parnassa. Alors, sur ça, il a corrigé sur les deux points. Le dit tout d'abord, habiter dans un lieu Torah, c'est en soi-même une bonne réponse. Et à part ça, tu crois que la parnassa, l'argent, l'or, ça peut équivaloir quoi que ce soit? Sache que tu te trompes foncièrement, parce que la Torah est bien plus importante, comme ce qu'il va nous l'expliquer. D'accord? Maintenant, donc, finalement, l'histoire, si on veut mieux la reprendre, il y a eu une fois, Rabbi Yossi, il s'est laissé un petit peu tenter à sortir du Beit HaMidrash, sûrement pour des soucis de parnassa. Puisqu'il est sorti, alors, Abba l'Eitaer Messayenlo, Abba l'Eitame Messayenlo. Celui qui vient accomplir une misa du ciel, on l'aide, et celui qui vient pour
quelque part, lever un peu le pied de la Torah, et ben aussi, il y a le Satan qui va venir s'en mêler. Sur ça, Rabbi Yossi, il a tout de suite senti que d'un coup, on vient, on lui propose au Mont et Merveille. Il a tout de suite réalisé que c'était un maasé Satan, un coup du Satan, et tout de suite, il a refusé catégoriquement. Il a dit, je repars habiter dans un lieu de Torah. Alors, c'est vrai qu'il y a une belle mitzvah de partir aider, enseigner la Torah à d'autres personnes. C'est vrai. Mais malgré tout, Rabbi Yossi ben Kisma, il a insisté, enani dar el abim comme Torah. À partir de, je ne vais pas, moi, me sacrifier pour partir aider les autres. Ça veut dire, si moi, je peux exceller en Torah, je ne vais pas ne plus exceller pour que d'autres vont accomplir d'autres mitzvot. Je vais peut-être partir leur donner des cours, ça c'est possible. Mais en tout cas, je reste planté, moi, chez moi, dans un lieu de Torah, où là-bas, c'est beaucoup plus facile d'accomplir, où on perce beaucoup plus profondément les textes, la Mishnah, la Gemara. Et à part ça, j'irai donner des cours, mais je ne vais sûrement pas moi me déraciner de mon lieu pour partir aider les autres à évoluer dans la mesure où moi-même je vais baisser de mon niveau. Ça, c'était la réponse qu'il lui a donnée. Et maintenant, dans les psukim qu'il lui a répondu, il lui a répondu trois niveaux de psukim. Il lui a répondu tout d'abord, comme ce qu'il nous a dit le Tiferet Israël, il lui a dit tout d'abord, je reste habité que dans un lieu de Torah, et après il lui a dit, et en plus de ça, parce que l'argent et l'or que tu me proposes, c'est rien à côté de la valeur de la Torah. Et suite à ça, il rapporte trois psukim. Il rapporte tout d'abord le premier pasuk que la Torah, c'est une valeur sûre qui va nous accompagner plus tard, alors que l'argent, lorsqu'on va rentrer dans le cercueil, l'argent, il s'arrête là, il ne peut plus nous suivre. Alors que les Torah, mais c'est mais il continue à rester avec nous, et on continue à en profiter pour plus tard, premièrement. Deuxièmement, après, il a insisté en nous rapportant le pasouk de David Melech Israël. On a insisté sur le pasouk de David Melech Israël pour insister qu'il était roi d'Israël, il avait tout l'argent. Il avait plein d'argent, plein d'or. Et lui, il nous a dit que la Torah, elle est mieux que Elfeza Vachesef. Et à part ça, maintenant, il a même continué en nous disant, et finalement, même si j'ai peut-être des problèmes de Parnassa, eh ben, sache que Lia Kesef, Lia Zavnu Hashem, en restant collé à Hashem, Hashem, on peut croire, on a la foi en lui qui va nous donner tout l'argent et tout l'or nécessaire, Bezrat Hashem, pour pouvoir surmonter sans avoir besoin de perdre, de baisser quoi que ce soit de son niveau de Ruchaniyut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.